Salut, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Titanic, le numéro... Oh ben j'ai quasiment plus d'hydrogène. J'ai bien fait de démarrer l'enregistrement à ce moment-là. Alors, c'est le numéro... Top. Un petit coup de bonjour, c'est le numéro 86 et... Oui, c'est le numéro 86. Et comme vous avez pu le remarquer... Ah oui, c'est mieux quand ça marche. J'ai démarré par la fin de mes bâtiments. Hein, j'avais eu un commentaire dans le dernier épisode. Et c'est vrai que ça faisait un peu désordre, tous ces bâtiments pas finis. Donc là, j'ai fait tout ça en dalles de pierre. Et là, je voulais faire plutôt quelque chose dans le style ardoise. Donc je cherchais une couleur un peu orange. Et avec tous les modes qui me restent, j'avais bien repéré au niveau bois le cèdre. Cedar Stairs. C'était ce qui ressemble le plus à un machin un peu orange pour faire tuile. Mais le problème du cèdre, c'est que les pousses. Il faut un mélange de mélèze banale, de silver fir. Le silver fir, c'est du pin jaune et du balsam fir, qui est lui-même un mélèze banale. Le grand cèdre, je suis pas prêt de l'avoir. Sachant que là, bon, ça avance doucettement, mes abeilles, mais je suis à la première ou la deuxième génération, pas plus. Ça va pas plus loin. Donc je me suis dit que le... sable rouge, ça irait bien. 817, on va descendre en vitesse avant que ça pète. Hein. Paf. Alors j'avais commencé le truc, j'ai fait un test de live avec avec un accès en 4G, parce que j'ai pas encore la fibre chez moi. J'ai fait un essai de live, et c'était lors de ce live, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas commencer quelque chose sur le Titanic, puisque c'est pas un gros épisode. Et j'ai commencé à faire les toits, je sais plus lequel. Et là donc, je l'ai fini hors caméra. Et là, j'étais en train de faire ça, je me suis dit, allez, bon petit début pour l'épisode. Alors lors du live, ce que j'ai fait aussi, je vais changer mon... Ouais, c'est ici. Tac. On va le mettre à recharger. J'ai voulu utiliser moyen de fabrication un peu automatisé de logistic pipe. Des tuyaux logistiques. Et j'ai eu un petit souci avec notamment c'était les roches. Quand je faisais parce que je faisais les roches pour avoir des dalles, donc là je fais une demande. Si je faisais une demande, en fait, je me suis aperçu que ça n'arrivait pas ici, mais ça arrivait dans le stockage. C'est-à-dire ça allait se stocker. Alors les roches étaient dans mes blocs Minecraft. J'ai donc gratté, et j'ai fini par trouver quelque chose. Ouais, c'était ici. J'avais mes fours. Hein, tout le problème vient des fours. Alors, ici, j'ai un peu tout cassé. J'avais ce principe-là. J'avais un tuyau logistique de fabrication en entrée, et un châssis logistique avec un... avec un module extracteur en sortie, en me disant c'était logique. En fait, j'ai re-regardé une vidéo, alors une vidéo en anglais, malheureusement, dur pour moi, hein. Vous savez mes hautes compétences que j'ai en anglais, et j'ai quand même réussi à comprendre un truc, pourtant au départ je l'avais testé ça, c'est que quand on veut faire de la fabrication, il faut... uniquement avoir donc un tuyau logistique de fabrication, point barre. Pas de module d'extraction. Et j'ai compris en fait la logique du truc, c'est que si en sortie, parce que ici on avait des. Sur la sortie du
du four de Redstone, on avait donc la sortie, c'était en orange. J'avais mis un châssis logistique MK1 avec un module extracteur. Et bien, ça, ce que ça fait, c'est que ça met dans le stock en fait. Ça envoie dans le stock et ça ne renvoie pas au système de fabrication. C'est bien séparé. Et c'est ça qui se passait. Alors, des fois, ça marchait parce que j'en avais en stock. Hein, ici, si j'en avais en stock, mes demandes marchaient. Mais si j'en ai pas, eh bien, ça fonctionnait pas. Voilà. Donc, si je fais ça maintenant, donc là, je vais en demander, pop, allez, 30 roches. Donc, il va aller chercher de la cobble. Donc, on voit ici, c'est violet. La demande a bien été prise en compte. Ça, je suis en train d'essayer de me construire les lunettes. Les lunettes logistiques ATH, vue tête haute, UD en anglais. Et. Ouais. Alors, à chaque fois, il faut un circuit en diamant pour chacun des 5 composants, les 5 composants de la lunette. Et puis après ça, il faut aller le mettre dans la station de soudure. Soldering station. Voilà, hop. Là, on a bien vu que c'était eh ben, pile. Nickel. Ça ressort ici, en fait. Papa. Donc, c'est bien le module de fabrication. Bien que ici, j'ai le bleu défini, c'est-à-dire l'entrée. Et la sortie, elle est toujours là. La sortie, elle se fait bien du côté bleu. Le truc, le machin de logistique, le gère correctement. Et du coup, bah c'est nickel. On va aller voir dans le bousin. J'espère que le bousin, ça va pas être pris par YouTube pour une. Et ben, bah, ça arrive bien ici. Donc là, si je demande, mais ouais, il faudrait peut-être que j'ai fini tous mes tours. Il faudrait peut-être que j'arrête. C'est comme pour tester en live. J'avais fait les blocs de. Les blocs d'usine, et bon, ben, bon, les blocs d'usine, il m'en faut tellement que c'est pas gênant. Ces trucs-là, par contre, c'est plus embêtant. Donc, il me reste ça comme souci, en fait, puisque j'ai le même problème là. Là, je l'avais configuré, en fait, pop, pour avoir du minerai de fer en entrée et deux lingots de fer en sortie en passant dans un sag mill. Alors j'ai vu une vidéo et en fait eh ben, il faut faire la même chose, il faut que le module de fabrication soit sur la sur l'en non là sur la sortie du four, mais il faut le lier à un satellite et c'est le satellite qui fera l'entrée dans le sag mill. Donc on va se faire un tuyau logistique satellite. Tuyau logistique satellite. Bon, c'est un tuyau logistique basique avec deux redstone, pas compliqué. Donc je le fabrique et puis on se retrouve pour faire les essais. Alors, ouais, j'ai fait mes lunettes. Donc il me faut un fer. J'ai fait mes branches de lunettes. Les branches sont au-dessus. Tac, tac. Pop, pop, pop. J'ai les verres ici, ici, ça, ici. Ça fait une drôle de tronche au truc. Et pop, j'ai mes lunettes. Alors. Ah ouais. Il est plein. Ok. Donc là, on voit les modules. Oh, on voit les trucs qui apparaissent. Ça fait. Ouais, c'est assez perturbant en fait. C'est assez perturbant. Ouais. Alors, ça, je vais l'enlever. J'ai mon module d'extraction. Donc, je vais. Lui, je le récupère. Lui aussi. Donc le module logistique de fabrication, je le mets ici.
Et je lui dis que je voulais et je vais être ouais parce qu'il me faut les éléments. Et ici je mets le tuyau logistique satellite. Donc ici je lui dis que c'est l'idée 1. Ah tiens, pourquoi il met 38 Et ici c'est 1. Et il faut que j'aille chercher un lingot et un minerai. Toc, 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 toc. Alors, un minerai, il m'en faut un. Et un lingot, il m'en faut un. J'ai enlevé le pop-up aussi pour, ça apparaît du coup en vert dans le chat. Et le lingot, ça va être un peu plus long parce que ça vient de Perpète-les-Bains. Je vais les enlever les lunettes, ça me. Alors du coup, non, c'est pas ça. Le casque, je l'enlève. Ça, j'en ai un peu trop. Les modules extracteurs, a priori, j'en ai plus besoin. Pareil pour le châssis logistique. Et mon minerai est arrivé. Ah, il m'en faut deux de lingots pour parce que je crois bien qu'il m'en faut deux. Donc, le module ici en entrée, j'ai un minerai et en sortie, j'ai deux aciers. Donc, on va tester de suite si ça marche. Le problème, c'est qu'il faut que j'aille à chaque fois, faut que je fasse des kills au maître. Bon, eh bien, nous revoilà un petit peu plus tard. Alors, ça marchait pas du tout le système et j'ai fait moult essais. Alors, hors caméra, parce que ça fait quand même ça fait un moment que je suis dessus. Et là, oui, ça a bien changé. Il y a plein de trucs, mais a priori, j'ai fait plein d'essais pour être sûr, ça marche. Alors, je vous explique quand même un petit peu vite fait ce qui se passe. J'ai rajouté donc un coffret en entonnoir pour charger le sac 1000. Ça permet d'avoir un système de buffer et surtout le tuyau logistique satellite n'est plus en contact direct parce que je me semblais que c'était ça qui cafouillait. Bon, en fait, c'est pas plus mal parce que comme ça, on peut demander plus d'un stack d'acier ou du moins de minerai de fer et donc ça marche. Alors, l'autre truc qui marchait pas, c'était que. Parce que ça, en fait, ouais, ça marchait. Mais je retrouvais mes lingots d'acier non pas à la table de fabrication, mais dans la route par défaut. Ce qui était bizarre. Et alors, ce qu'il faut faire surtout, c'est ne pas configurer la sortie. Donc ici, la partie à gauche. Donc ne pas la mettre en orange. C'était un peu le même principe ici. L'entrée bleue était du côté du tuyau logistique de fabrication. Là, le bleu est du côté du sac 1000, mais le orange doit pas être par ici. Ce qui se passe apparemment, c'est que quand il y a le orange, il éjecte dans le tuyau, mais c'est le tuyau qui doit demander. Donc s'il éjecte dans le tuyau, ça part, mais dans la route par défaut, et lui, quand il demande, il n'y a rien. A priori, c'est ça qui se passe. Donc, du coup, ça aurait presque pu marcher. Le problème, c'est que quand on ferraille, quand on sagmille du minerai de fer, on peut avoir de la poudre de ferrousse, machin chose, et puis de l'étain, et aussi de la cobble. Et donc tout se retrouve dans le bazar là, et ça finit par bloquer en fait, parce que lui, il ne réclame, vu qu'il n'y a plus d'extraction, vu qu'il n'y a plus de point d'extraction, il ne réclame que du fer, et il ne prend que le fer. Donc si on se retrouve avec de la roche ici, ben, ça bloque le four, et puis c'est tout. Donc il a fallu que j'extraie ces machins qui pouvaient bloquer, mais donc là on le voit pas, mais j'ai la face orange sur l'arrière, en fait j'ai retourné le four est devant. Donc je l'extrais là et ici j'ai donc mis un filtre d'objet basique en liste noire, le lingot de fer. Donc ça veut dire que je prends tout sauf le lingot de fer. C'est pour ça qu'ici je me suis retrouvé hein, là, au fur et à mesure de mes essais avec 4 lingots d'étain, 7 de ferreux et 7 roches. Donc on va tester. Et je suis bien content d'en être venu à bout. Donc là, 0.
On va en demander pour un demi-stack. Oh, soyons fous. Et puis voilà, requested 32, ici il n'y a rien. Donc normalement il devrait me ramener 16 minerais de fer. Donc là la demande a été faite. C'est pas ça que je voulais faire. Donc tout doux 32. On voit le truc qui c'était 4, 1, top. Il a tout. Donc là, bah oui, il y en a déjà un qui est parti. Il doit y en avoir 16 qui sont arrivés. Et donc là, par exemple, bah, il y a de la pierre qui est passée dans le four. Donc hop, elle est. Tout à l'heure on était à 7, maintenant on est à 8. Et là, du coup, le pulvérisé iron va donner des lingots. On les voit partir et on voit le tout doux, voilà, qui diminue. Donc ça marche, c'est impeccable. Donc pour me débarrasser de ça, j'ai plus qu'à mettre un. Alors je dois pas en avoir. Mais il fallait que je mette ce qu'il y avait avant, un extracteur ici. Bon, je peux le passer en dessous et me reconnecter sur le réseau qui passe en dessous et ça partira là dans les zones de stockage réservées à cet effet. Eh bien, je suis content. I am happy, comme disait Droopy, le chien de Tex Avery. Parce que je me voyais bien pas en venir au bout. Bon, du coup, ça fait un truc assez complexe, une grosse usine à gaz hein, pour faire juste du minerai de fer. Bon, allez, hein, on va dire que c'est bon quoi. Donc là, et ils arrivent surtout, le truc, ils arrivent bien à la table de fabrication. C'est le truc impeccable. Ouais, 21. J'ai eu peur parce que le 20 bougeait pas. Petit à petit, allez, on va ellipser, on va arriver à 32. Voilà, 32. Normalement, ça devrait plus bouger. Donc, maintenant, mes trucs en série, comme par exemple, si je demande des barreaux de fer, je vais vider le stock. Je veux les 7 qu'il y a là. Donc, pour les barreaux de fer, il me faut des lingots. Il n'y a pas de lingots, donc normalement, ça devrait maintenant marcher. Admettons que j'en veuille 8. Hop! Je vais ici. 1. C'est marrant parce que, pof, ils sont bien arrivés, mais. Ah oui, il n'y a besoin que de. Non, c'est étrange. Eh ben non, ça marche pas. Donc là, j'ai encore réussi à bloquer le système. J'en ai deux dans le four de redstone qui sont visiblement pas pris. Ici, j'ai de l'étain qui ne va pas être cramé du coup, vu que ici c'est pris. Et voilà, le système est bloqué. Alors, il est pas. Crate, 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 crate. J'ai quand même les 8 que j'ai demandé. Et 8 stockés ici. J'ai l'impression. Alors en fait, ça marche, hein, donc ça marche, mais c'est bizarre. J'ai l'impression que il en a produit plus que ce qui était demandé. Du coup là il en réclame pas plus. Mais si je redemande deux lingots, il va les extraire si ça tombe et il va débloquer le four. Donc je réclame deux lingots. Alors le truc, je crois que c'est quand même, il va envoyer un minerai de fer, ce qui fait qu'il va toujours y avoir de l'avance. Ouais, ils ont dû partir, mais du coup ça a débloqué. Voilà, le minerai de fer arrive. Ouais, très étrange. Alors est-ce que c'est parce que des fois, au lieu de donner deux lingots, deux pulvérisés iron machin chose, il en mettrait plus. Du coup là, il stocke et je dois avoir mes deux lingots ici. Bon, le principal après, c'est que ouais, c'est bon. Bah,
Le principal, c'est que j'ai ce que je réclame, hein. Après. Donc là, je vais demander ces 8-là. Et je vais en demander 16 autres. A priori, il va me les fournir. Donc, ben, je crois que, on va dire que ça marche. Si, si, ça marche. Et du coup, j'ai dû dépasser les 20 minutes. Donc, voilà pour cet petit épisode où j'ai réparé mon machin logistique. Et on va pouvoir attaquer la prochaine fois. Allez, c'est sûr, le prochain coup, on fait du Titanic. Allez, là-dessus, je vous souhaite une bonne continuation. Ouais, 24, c'est tout bon. Et puis, à bientôt. Allez, salut!